Déclaration numéro 1 de la cellule nationale de la crise des organisations de la société civile guinéenne. Je reprends. Déclaration numéro 1 de la cellule nationale des crises des organisations de la société civile guinéenne. Le dimanche 5 septembre 2021, le peuple de Guinée a appris sur les ondes de la télévision nationale un communiqué annonçant l'arrestation du président de la République, la suspension de la Constitution, la dissolution de toutes les institutions républicaines et la mise en place du Comité national pour le rassemblement et le développement. Face à cette situation, la société civile guinéenne, en tant que force de veille, d'alerte et de proposition, s'est réunie en cellule de crise ce lundi 6 septembre 2021. Après analyse de la situation, la cellule nationale de crise des organisations de la société civile guinéenne déclare 1. Avoir pris acte de la situation exceptionnelle que prévaut dans le pays. Camarade, salut ! Salut ! 2. Invite les nouvelles autorités du pays à la réunion de toutes les conditions de fait et de droit pour favoriser la libération rapide de tous les détenus en lien avec les événements politiques antérieurs et récents. Camarades, salut ! Salut ! Ensemble, nous vaincrons ! Ensemble, nous vaincrons ! 3. Recommande la mise en place rapide d'un cadre national de dialogue inclusif et participatif pour une gestion normale et apaisée de la transition. Camarades, salut ! Salut ! 4. Appelle les nouvelles autorités à œuvrer pour la sécurité des citoyens, de leurs biens, Lumière. Tout en préservant l'unité nationale. Camarades, salut ! Salut ! Lumière. Enfin, Lumière. La cellule appelle les populations au calme et à la retenue. Fait à Conakry le 6 septembre 2021, la cellule nationale de crise des organisations de la société civile guinéenne. Camarades, salut ! Salut ! Camarades, salut ! Salut ! Merci.